est au départ de la Vélocène, là, sur le parcours Deauville-Corbeil-Essonne. Parmi les participants, on a beaucoup de nos clients, hein, puisque nous, on représente l'enseigne Giant à Corbeil. La plupart ont déjà fait des 150 km, 200 km, donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour courir les 250. Je fais du vélo depuis 2-3 ans, et la raison pour laquelle j'ai souhaité participer, c'est avant tout de participer avec un groupe, de partager une certaine complicité, et puis s'en mettre plein les yeux. Découvrir de beaux villages, se lancer un défi et se dire pourquoi pas essayer de faire 250 km en vélo. C'était top, super paysage. Super météo et puis les gens sont super sympas, il y a une très bonne ambiance dans le groupe. On est très content, on a le vent dans le dos, ça roule très 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 fort et là on est heureux de partager ce moment convivial, le repas du midi. C'était un défi que je m'étais lancé et je me rends compte que c'est à la portée pas de tout le monde mais de beaucoup. Donc il ne faut surtout pas hésiter à se lancer. Après ces 250 km, les articulations elles sont un petit peu chahutées. Mais franchement ça va. Ça va parce que voilà, les pauses elles étaient aux bons endroits, on s'est bien ravitaillé et avec le vent dans le dos, le soleil, c'était très très chouette. Des paysages somptueux, en particulier le bocage normand. Et puis après aussi quand on arrive à partir d'Oudan, Rambouillet, etc. Là c'est vraiment magnifique. C'est à faire et c'est à refaire.